Oh, poisson. Je pensais que c'était le fond. Oh, c'est joli en plus. C'est une perche à mon avis. Je pensais que c'était le fond. En fait, il y a pas mal de rochers. Et je tapais dedans et à un moment j'ai cru que c'était le fond. Ok. C'était un poisson. Oh, c'est une petite perche. Je la drop plus. Enfin, je vais peut-être la décrocher. Si je la drop, je vais la mettre dedans. Voilà, première perche. Donc voilà, en fait, je pêchais donc avec une petite écrevisse. Donc je vais en remettre une. C'est une petite OSP en 3 pouces. Sur une petite tête plombée texan en 7 grammes, il me semble, 7 grammes. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé de pêcher les perches parce que ça fait quelques jours là que je vois qu'elles sont les perches moyennes commencent vraiment à bien devenir actives. Donc je vais essayer de me concentrer sur les perches. Bon, si on fait un cendre ou deux, je vais pas me plaindre, mais je vais vraiment essayer de me concentrer sur les perches. Et j'ai décidé de commencer avec une écrevisse parce que c'est vraiment un leurre qui cartonne sur les pêches lentes. Mais vraiment sur la perche, ça marche super super bien. Je les utilise entre 2 pouces et demi et 4 pouces pour les plus grosses quand je veux sélectionner. Mais les 3 quarts du temps, je suis en 3 pouces. Je les utilise soit sur un petit jig, soit sur une tête plombée en texan comme ici, soit en carolina. Donc on a vraiment plusieurs options, suivant la nage que l'on veut faire, les animations, la rapidité d'animation. Ici, je suis plutôt sur une animation lente, vraiment à gratter le fond. Il y a des cailloux au fond, on fait sauter l'écrevisse sur les cailloux et entre les cailloux. Et on fait des pauses. Et c'est comme ça qu'on les prend. Oh, j'ai une touche. Peut-être un gobie. C'est ça qui est pas évident quand on pêche à l'écrevisse comme ça. Bon, ceux qui pêchent par ici, ils le savent très très bien. C'est qu'on prend très souvent des perches de gobies. Faut pas ferrer quand on prend les touches de gobies. Parce que sinon, vous allez dégommer votre croc et ça sert à rien. Donc, on reconnaît la touche de gobies parce que c'est comme une mini touche en espèce de mitraillette. Votre sillon, il vibre comme ça. Tandis qu'une perche ou un cendre, c'est plutôt une touche nette. Un peu plus forte. Bon, cette technique de pêche, c'est vraiment pas une technique pour parcourir du terrain, hein. C'est une technique plutôt lente. On va essayer de pêcher des spots ciblés. Donc moi ici, je vais me concentrer sur les bordures où il y a des zones de cailloux. Parce qu'en général, c'est là que les poissons trouvent déjà des écrevisses naturellement, dans les zones de cailloux. Il n'y en a pas dans la vase, ou en tout cas beaucoup beaucoup moins. Et donc moi j'anime mon leurre vraiment dans ces zones de cailloux. Dès que je sens qu'il y a une zone de vase, j'évite complètement la zone. Je ramène. Si je sens que je pêche dans la vase, je ramène et je relance à un autre endroit. Bon, j'ai complètement changé de technique. Je suis passé sur un petit spinner. Toujours pour rechercher les perches. Mais essayer de les pêcher un peu plus vite. Et de voir si elles réagissent pas un peu mieux aux palettes. Parce que
J'avais pris une, j'ai pris une perche très très rapidement sur mes premiers lancers, mais après j'ai plus eu de tape. Donc on va essayer de trouver autre chose. Je vais faire un peu de traîne pour essayer de tomber sur un poisson actif, parce que là c'est quand même calme, hein. C'est joli ça. Ah, peut-être pas tant que ça, je sais pas. Je sais pas trop. Si, c'est une belle perche. C'est une grosse perche même. Yes. Avec le petit spinner, bon, il est déglingué parce qu'il s'est pris dans l'épuisette. Je vais le remettre après. Voilà, décroché. Elle est énorme. Cinquante et un. Hop. Bon, allez vite, on va la remettre à l'eau. Elle est vraiment énorme. Gigantesque. Je refais. Wouhou. Elle est repartie. Yes. C'est une des premières perches que je mets sur la nouvelle toise. Petite toise que je me suis fait pour moi. Quoi de mieux que de mettre une 50 direct. Bon voilà, là je suis refait, je suis super content. Ça faisait vraiment longtemps que j'attendais celle-là. Je m'étais arrêté plusieurs fois à 49. Maintenant je passe au-dessus, 51. Avec le petit spinner. Bon, il est défoncé, il faut que je le redresse. Mais avec un petit spinner comme ça, en traînant le long du bord. Une grosse touche bien lourde. J'ai pas, au début je pensais pas qu'elle était aussi grosse. Surtout j'ai tendance vraiment à sous-estimer la taille des poissons quand ils sont encore dans l'eau. C'est quand je l'ai dans les mêmes mains que je me suis rendu compte qu'elle était vraiment énorme. Allez, on continue. Bon, maintenant il faut que je redresse le spinner. En fait, il s'est tordu quand elle était dans l'épuisette. Le spinner s'est accroché dans l'épuisette. Ça s'est tordu. Mais bon, c'est un spinner, donc il suffit de redresser un peu. Voilà. On redresse un petit peu et il est reparti. Bon voilà, il est remis, il nage bien, donc c'est reparti. On va repartir pour un peu de traîne puisque ça a bien marché. On va remarcher un petit peu. En fait, je le fais vraiment nager le long du fond. En fait, ce qui est bien avec ce petit spinner, c'est le spinner de chez Sawamura. Bon, il est super cher, hein, pour la taille, mais bon, il fait 10 grammes pour, alors qu'il est tout tout petit. Et en fait, ça vous permet de pêcher le long du fond. Lentement, à la bonne vitesse le long du fond,
Si vous prenez en général les micro-spinners comme ça, ils font quoi, 7 grammes et c'est trop, 5 ou 7 grammes, et c'est trop léger en fait pour pêcher vraiment au fond. Donc ici c'est vraiment le bon compromis. Bon, il coûte presque 23 euros il me semble en magasin, complètement délirant je trouve pour un spinner, mais bon, il fonctionne bien. Ouais, donc ce que je fais ici, vous m'avez déjà vu le faire pas mal de fois, donc je pêche en traînant mon leurre le long du bord, parce que dans les canaux comme ça, les postes sont pas marqués, c'est vraiment les bordures qui sont de très bons postes. Et donc pour réussir à trouver un poisson, comme les postes sont pas marqués, il faut parcourir beaucoup de terrain. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec pratiquement tous les leurres. On peut le faire avec du crank, ici je fais avec du spinner, du leurre souple, vraiment beaucoup de choses. Et donc ici moi, comme l'eau est assez froide, les perches sont quand même au fond. Et donc ce que je fais, c'est que je marche vraiment à la vitesse pour que mon leurre soit, je sais pas, 20 ou 30 cm au-dessus du fond, pas plus. Donc quand je fais des pauses régulièrement, je dirais tous les 15-20 mètres, pour voir combien de temps mon leurre met pour redescendre au fond. Et en fonction de ça, j'ajuste la vitesse à laquelle je marche. Il faut, en général, mon leurre il met 3 secondes pour retourner au fond, pas plus, parce que sinon vous êtes trop haut. Comme on pêche en traîne, il n'y a pas besoin que votre leurre mette trop longtemps à redescendre au fond. Vraiment, le but c'est de longer le fond sans le toucher. À 40 euros. 45-50, ouais, quelque chose comme ça. C'est. Ouais, il y en a normalement. Gaffe encore la voiture. Poisson. J'ai peut-être tombé au fond, je l'ai eu. Le quoi? C'est quoi? Ah ouais, ouais. Ouais, mais il faut une casting pour ça. Enfin, je trouve. Il faut que j'utilise ma canne casting, il vibre énormément et je l'ai plus... Oh, elle s'est décrochée. Je l'ai plus utilisé depuis quelques temps, c'est vrai, mais il fonctionne super bien, ouais. Hop. Bon voilà, je viens de reprendre une petite perche à l'écrevisse. Ouais, et vous avez vu, elle était toute petite. Et même les petites comme ça, elles prennent à l'écrevisse, il n'y a pas de problème quoi. Bon voilà, c'est ici que s'achève ma session. Donc au final, je fais pas beaucoup de poissons, j'en fais 4. Mais par contre, la taille, j'explose mon record. Je suis super content, une perche de 51. Donc la mission pour aujourd'hui est réussie. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!